C'était 22 h à peine, ce vendredi-là. C'était veille de Noël, et pour fêter ça, il s'en allait chez Madeleine, près du pont de l'Alma. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas. Et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents, à pied longe la Seine, tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'était 22 h à peine, ce vendredi-là. C'était veille de Noël, et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre, près du pont de l'Alma. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas. Fêter Noël, fêter Noël. Beauté noire, souveraine, égantée de blanc, elle allait pour dire je t'aime, tout en chantonnant. À pied longe la Seine, marchant à pas lents, puisqu'elle allait chez Jean-Pierre, elle avait bien. La la, charmant Noël. Or voilà que sur le pont, ils se rencontrèrent. C'est de là qu'ils s'en venaient, d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle, des bottes aux gants, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre, près du pont de l'Alma. Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Et ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça. Sous le sapin de lumière, lorsqu'il l'embrassa, heureuse elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour, ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre un peu tard, ma foi. Bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Alma. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là? Qu'avais-tu à Noël, comme on n'en fait pas? Mais il est bientôt quand même de rentrer chez soi.